Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois au plateau d'Aminata.com. Nous sommes en direct de Philadelphia où aujourd'hui nous sommes invités par le bureau guinéen de Philadelphia. Justement un bureau qui a l'ambition de faire retrouver tous les Guinéens, vous savez, au nom de la réconciliation entre les fils de la Guinée. Vous savez, comme Philadelphia, donc c'est bien cette zone, c'est bien cet état où les Guinéens vivaient réellement ensemble. Mais aujourd'hui, il semble qu'il y a beaucoup de divisions, comme d'ailleurs dans beaucoup d'états. Mais avec l'actuel bureau, et bien avec la volonté des sages, la volonté des femmes et des vieux, et bien tout le monde a voulu à ce que Philadelphia se retrouve en conclave pour discuter des problèmes actuels, de la vie actuelle de leur communauté. Nous avons été invités donc par le bureau. Vous allez retrouver plus tard les membres du bureau, le président M. Mamadou Malado Ba, et bien tous les autres membres de ce bureau ou alors la communauté. Beaucoup viendront témoigner avec vous. Mesdames et messieurs, retrouvons donc cette communauté dans cette salle. Nous sommes bel et bien au West Philly, comme vous le savez, ici dans la ville de Philadelphia. Et bien c'est un rendez-vous qui regroupe donc tous ceux-là qui sont les ressortissants donc de la vallée de Delaware, comme vous le savez également. La vallée de Delaware, c'est bien le North Jersey, c'est bien Pennsylvania, c'est bien Delaware. Mesdames et messieurs, suivez ça. Son adjoint aussi
Toucara. Ousmane Toucara. Alors je m'excuse à M. Toucara, il est à la jeunesse, il est chargé à la jeunesse. Et l'adjoint de vous qui sera, qui est M. Ibrahima Diallo. Je suis là, je suis chargé à l'information, Yaya Sourika. Et mon adjoint qui n'est pas là, qui est M. David Maudou, qui est absent ce soir-là. Ouais, le secrétaire administratif qui est M. Diallo Ousmane qui n'est pas là aussi. Diallo Souleymane qui n'est pas là aussi. Qui est le troisième membre du bureau. Je reconnais ça, qui est le troisième membre du bureau qui n'est pas là ce soir. Mais malheureusement. Et enfin maintenant, M. Monsieur. Sont ralentis. Voilà pourquoi
le bureau s'est chargé de réunir les Guinéens afin qu'on trouve une solution qui va nous aider à anéantir ce fléau qui détruit nos relations avec la ville. Je pense que tous ceux qui sont là sont venus dans le même souci et dans le même objectif. Aujourd'hui, les Guinéens, les Philadelphie, les musulmans ne partagent pas la mosquée. On ne partage ni bonheur, ni malheur. Quand il y a arrestation, c'est tout simplement pour la famille. Quand il y a un décès, c'est tout simplement pour la famille. Quand il y a une maladie, il est. Ce n'est pas ce qu'on appelle social. Vous avez un dénominateur commun qui est la Guinée. La Guinée, c'est pour vous tous. Donc, les conséquences de ça, nous constatons aujourd'hui la misère qui règne entre nous, le stress, les maladies graves. Cela veut dire qu'on a dérouté. Dieu a fait ce qu'il a fait. Il nous a créé tous Guinée. Vous savez que la Guinée, c'est un pays laïque. Là où toutes les religions sont permises. Mais dans les familles, on a tous subi la même éducation familiale. Nous savons ce que c'est que la solidarité. Nous savons comment rendre visite à un malade. Nous savons comment sympathiser à un malheur qui tombe à un de nos voisins. Mais on a oublié tout ça aujourd'hui. Shaitan est très fort et en train de sillonner en nous pour détruire notre potentialité de notre communauté. Nous avons des enfants qui grandissent ici. Nous ne voulons pas que ces enfants arrive à hériter cette situation malheureuse. Je n'ai pas à vous citer les choses. Dieu nous a créés, il a mis toutes les relations possibles qui puissent exister entre nous. Il y a le voisinage, il y a le mariage, il y a le social, il y a la religion. Et si nous refusons tout ça, ce qui va advenir, qui va en pâtir, c'est nous. Donc, nous savons auparavant des amis se fréquentent, ils s'appellent au téléphone, on se retrouve, on s'amuse, on se récrée. Maintenant, aujourd'hui, même les liens de récréation, on ne se retrouve pas. Quand un artiste malingué vient, il est venu pour les malingués. Quand un artiste peur vient, il est venu pour les peurs. Quand un artiste soussou vient, il est venu pour les soussous. Mais pourquoi cela? Cela, ce n'est pas ce qu'on appelle la solidarité, ce n'est pas ce qu'on a connu. Chacun de nous a connu le social avant de sortir. On est surtout aux États-Unis. Nous qui sommes là aujourd'hui, ce n'est pas seulement nous qui voulons venir aux États-Unis. Les autres aussi derrière là-bas veulent venir, mais c'est nous que Dieu a donné la chance d'être, de venir aux États-Unis. Chacun de nous a laissé ses parents là-bas, père et mère, frère et soeur. C'est nous aujourd'hui qui sommes pères et frères et sœurs. Quand il y a un corps, tout de suite une famille, qui est chargé de traiter le corps, si ce n'est pas nous? Mes chers frères et sœurs, imaginons encore un peu plus pour parler à ce moment. Philadelphie, pour ceux qui connaissent l'histoire, nous savons tous comment on était. Mais aujourd'hui encore,
Nous remarquons comment est-ce que nous vivons aujourd'hui dans notre communauté. C'est très grave, c'est très grave. Mais malgré la situation, les gens sont toujours confiants à nous ici à Philadelphie. Nous, nous connaissons comment on est ici, mais les gens sont confiants à nous toujours. C'est de l'extérieur, par la suite, par ce qu'ils ont connu de nous au passé. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui ce soir, c'est pour trouver les voies et moyens qui nous permettent de changer cette situation de vie. Nous avons nos sages ici, nous avons nos ex-présidents de la communauté humaine, nous avons les femmes, les jeunes, tout le monde est là. Donc, ensemble, chacun aura quelque chose à dire. Parce qu'il faut que ça change dans notre communauté. Nous sommes nés Guinéens, on est grandi Guinéens et on mourira Guinéens. Donc, mes chers compatriotes, encore une fois, donnons-nous la main. Conduisons la même, le même père, pardon. Marquons le même pas. On est dans un pays qui cherche à unir, qui est uni. On dit États-Unis. C'est 50 États qui sont unis. Nous, on ne fait même pas 10 000 personnes. On est là à se diviser. Et quand on se divise ici aux États-Unis, un de nous est pris. Il est en prison. Pensez-vous qu'est-ce qu'il peut faire à lui seul, même s'il a les mains. C'est nous qui faisons des démarches pour sa libération. Quand quelqu'un est malade, c'est nous qui sommes là qui faisons des démarches pour lui. Pourquoi nous ne se donnons pas la main? Ce qui est arrivé à l'autre peut arriver à celui-là. On est dans la même période. Donc, j'aimerais qu'on passe quelque chose de clair. Je ne veux pas être trop profond, mais je suis très très touché de la manière que nous vivons actuellement dans notre communauté. Et je pense que pour tout et chacun de nous ici, a les mêmes sentiments. Nous avons des enfants qui sont en train de grandir ici. Au lieu qu'on se donne les coups de main ici, regardez le mauvais regard. On a des choses à faire, on est nombreux ici. Jusqu'à présent, nous n'avons ni mosquée, ni salle, ni maison communautaire. Partout, nous, il faut louer, il faut louer, il faut louer. On ne fait que donner l'argent. Si c'est une infection, il faut louer. Si c'est un meeting comme ça, il faut louer. Si c'est un baptême, il faut louer. Un mariage, il faut louer. Pourquoi on ne pense pas à nous? Les mariés, la communauté mariée, viennent d'inaugurer leur mosquée au mois de carême passé. Le premier jour du mois de carême, ils ont inauguré leur mosquée. Les Ivoiriens amont leur mosquée. Pourquoi pas nous les Guinéens? Même si on se concentre à faire des contrats. Pour toute une année, on peut, chacun peut se faire 100 dollars ou 50 dollars, on met dans la caisse, on se dit, ok, l'année prochaine, on va chercher notre maison. On peut le faire. Parce que si nous constatons ce que nous dépensons, une soirée ou un mariage ou autre, ce que nous dépensons dans la salle, et aussi on ne respecte pas le temps. Après quoi, le temps est arrivé, on n'a pas fini ce que nous voulons faire, on nous taxe. Parce qu'il faut finir, et le temps a dépassé, il faut donner de l'argent. Donc on nous taxe. Donc quand on est tous ensemble, vous voyez l'importance de cette maison. Et aussi, notre fête de l'Aïd al-Adha vient de passer. Il y a certains qui ont la capacité d'égorger le monde. Si on a cette maison, au lieu que tu te mets à courir de maison en maison pour donner l'état de viande aux autres,
nos sacrifices. On aimerait se rencontrer dans notre maison, partager nos biens, que ce soit privé ou n'importe comment, on se retrouve, on montre nos enfants, nos coutumes, nos mœurs. Les enfants ne connaissent même pas ce qu'on appelle un fait de laïque. Notre gouvernement vient de passer la nuit passée. Il y a certains parmi nous qui ne sont même pas rendus compte de ça. Comment est-ce que nous allons expliquer ça à nos enfants? Plus en plus, c'est faute de mobilisation, parce qu'on n'a pas où se rencontrer. Donc, essayons de penser quelque chose de positif, au lieu de se mettre avec ce regard de mauvais. Encore une fois, mes chers et frères, je vous demande que chacun de nous pense de sa famille et la famille des autres. Des enfants. Je vous remercie, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Donc, nous avons un de nos doyens ici qui sont là pour nous aider. Et puis, il y a certains qui le connaissent, il y a certains qui ne le connaissent pas. Mais c'est mon frère Aboubakar Sina. Nous avons un de nos doyens ici. Parmi nous dans la cérémonie, c'est notre père, notre grand-père, c'est notre maman de la maman de la maman. Et nous avons notre doyen qui est l'un des membres fondateurs de cette association guinéenne. Le père fondateur. Ok, le père fondateur. Je suis très amant pour ça. Je vous remercie. Donc, il s'agit de notre doyen Mamadi Doumbouya. Nous avons son excellence, Monsieur Ibrahim Kalim Samora, qui est l'un des sages de la communauté guinéenne, qui apporte beaucoup de soutien à la communauté. Et nous avons notre père, notre frère, El Hadj Boubacar Barry, qui nous a fait le droit au regard. Et aussi, nous avons notre ex-président de la communauté guinéenne. Il a été le troisième président de la communauté guinéenne. Il s'agit de M. Mohamed Moridori. Nous avons un pertinent que beaucoup aussi connaissent, beaucoup ne connaissent pas, mais peut-être on a entendu son nom dans les radios et autres. Il s'agit de M. Diablo Abassan, le représentant du FUTA. Donc, chers mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, on a assez des hommes considérables dans cette association. Donc, en voulant tout présenter, nous risquons des choses de toucher tout un chacun au bout du doigt. Donc, il y a M. Souma Abdoulaye qui est là, le représentant de la base forte. Nous avons la communauté forestière qui est représentée dans nos bureaux, mais malheureusement, il se trouve que les membres du bureau ne sont pas là. C'est pourquoi on a choisi notre sœur Elisabeth. Donc, je vais passer le micro à nos doyens pour qu'ils puissent nous apporter le grain.
Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis toujours content d'être ici parce que dans toute organisation, quand on oublie l'histoire du fait de Dieu, avant de commencer d'abord, je vais vous présenter certaines personnes qui ont aidé avec moi au commencement de cette la création de cette association. Et je ne sais pas que tout le monde sait que nous sommes maintenant dans notre 20e année d'existence. Vraiment, c'est un accomplissement qui est très, très sérieux. Je peux dire que nous sommes l'association qui a duré de, plus de toutes les autres associations guinéennes qui sont ici aujourd'hui au salut. Et je voudrais remercier ces gens-là qui ont été avec nous. Et en commençant, on les appelle les fondateurs de l'association. Je voudrais vous les présenter qui ont été avec nous pendant 20 ans maintenant. Le jour qu'on a formé cette association, la première chose qu'on a fait, on a appelé tous les clients qui sont là. Et dommage, certains des fondateurs ne sont pas là parce qu'il y a eu des décès parmi nous. Mais toutefois, ceux qui sont ici, je veux vous les présenter. En commençant d'abord notre troisième président de l'association, Monsieur Doris, Mohamed Doris. Vous savez, et aussi Monsieur Kamara, à vous Kamara. Je voudrais vous présenter aussi des gens qui étaient ici il y a 20 ans. Nous avons des enfants ici, des enfants qui sont nés. Merci, monsieur Amadi Nouya. Peut-être un peu long. Je vais être cru aussi, parce que je vais dire des vérités qui vont certainement me laisser. Je m'en excuse d'avance. Je vais vous dire ici que très sincèrement, j'ai le cœur.
au regard de ce glorieux passé, si aujourd'hui nous sommes aussi divisés, nous sommes incapables de réunir 100 personnes, ça fait mal au cœur. Et M. le Président a dit dans son allocution tout de suite qu'on n'allait pas parler de politique. Je suis désolé. Parce qu'on ne peut pas parler de ce problème. On ne peut pas parler des causes de notre division sans parler de politique. Mais n'ayez pas peur de parler de la politique, chers compatriotes. Deux fois, le premier président noir des États-Unis pour la deuxième. Je pense que nous, les Guinéens vivant aux États-Unis, devraient donner l'exemple au reste de nos compatriotes. Parce que les Noirs aux États-Unis aujourd'hui constituent la plus petite minorité. S'il y a 15 ans, les Noirs étaient en plus grande majorité, c'est-à-dire après l'évocation, c'était les Noirs. Aujourd'hui, après l'évocation, ce sont les Spanish et ensuite les Noirs. Donc ce président est issu d'une communauté noire. Et les républicains et les démocrates, nous avons suivi ici, au quotidien, par minute, les attaques qui se faisaient sur les états nations. Sans salut, sans merci. Mais, après la victoire du président Obama, il a été félicité par son opposant. Ils se sont donné la main. Le leader des républicains au Congrès a fait sa déclaration. Il a tendu la main. Je crois que nous devons prendre l'exemple sur ça. Nous devons regarder autour de nous aux États-Unis et prendre l'exemple sur ça. Le loin l'a dit tout de suite. Nous avons élu un président de la République. Mais pour autant, nous continuons à vivre ici. Il n'y a pas de valeur entre nous ici. Pourquoi on ne peut pas se faire? Chacun est libre d'avoir son parti politique, ses pensées politiques, son opinion politique. Ça, c'est le droit le plus absolu. Ça, c'est un droit inaliénable. Mais nous devons comprendre que ça, c'est la politique. Ça s'arrête là. Nous devons nous donner la main pour aller au-delà de ça. Et comment? C'est vrai qu'il y a eu des actes chers en ligne, tels qu'il y en a eu en France, tels qu'il y en a eu aux États-Unis, tels qu'il y en aura à Marine. Mais s'il y a un problème qui concerne notre pays, nous devons nous donner la main ensemble en tant que citoyens et résoudre ce problème. Leur dire la vérité pour que la situation change. Quand la situation changera en Guinée, elle ne changera pas seulement pour les Guinéens, elle changera pour tous les citoyens guinéens. Voilà pourquoi ça va être notre problème en commun. Nous devons être solidaires. Thank you.
que je suis fier de vous. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, c'est la crainte. C'est la crainte de la vie. Vous avez beaucoup fait. Mais notre doyen vient de le dire. Cette association a été créée il y a 20 ans. De bien avant. Il y a eu 4 présidents qui se sont succédés jusqu'à notre président d'aujourd'hui, M. Bat. Donc moi-même, j'étais candidat, il m'a battu ici. Et immédiatement, en tant que démocrate, je l'ai salué et je l'ai remercié. J'ai béni pour lui pour qu'il puisse faire circuler encore cette communauté. Mais vous savez, les gens connaissent ce qui s'est passé réellement. La division, M. Doré l'a dit, il faut être cru, il faut se dire la vérité sur notre communauté. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé exactement dans notre communauté. C'est la politique de nos leaders qui nous ont divisés. Ils ont fait une politique pour régner. Mais ils ne peuvent pas régner pour longtemps. Nous sommes arrivés maintenant à cette limite-là. La limite est là. Mes chers frères, j'étais même à une réunion des leaders hier. Je leur ai dit la vérité. Changez le discours que vous menez pour le public. C'est très important. Changez. Réunissez tous les Guinéens de Delaware. Nous avons été l'organisation la plus efficace des États-Unis et même dans le monde. Donc aujourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas reprendre la même chose? Vivons ensemble pour la postérité et pour l'avenir de nos enfants. Et regardez une petite fille qui est là aujourd'hui. Nous nous vieillissons même. Une fois de plus, le bureau qui a pu rassembler les Guinéens de Philadelphia aujourd'hui pour une première fois depuis votre arrivée au pouvoir. Je vous remercie pour ça. Et c'est un signe fort pour nous dire que les Guinéens ou les Guinéens veulent venir ensemble. Et à chaque fois qu'on se rencontre, on est en train de dire des beaux discours. On est en train de parler, dire que ça ne va pas à Philadelphie, ça ne va pas en Guinée, on a des problèmes. Mais essayons aujourd'hui de trouver les causes de nos problèmes. Essayons aujourd'hui de trouver les causes de nos problèmes et proposer des solutions à ces problèmes pour qu'on puisse ensemble marcher ensemble comme avant. Et que Philadelphia, comme l'a dit les autres, Philadelphia était l'organisation la plus structurée, la plus enviée de toutes les organisations des États-Unis. Essayons de faire ça aujourd'hui. Et puis, j'aimerais aussi dire aux femmes, surtout aux femmes, que ce que les femmes veulent, Dieu le veut. On a refusé. Il y a réellement des problèmes à Philadelphie. Il y a réellement des problèmes. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Personne n'est pas sans savoir qu'il y a des problèmes à Philadelphie. Mais les solutions ne sont pas loin de nous. Les solutions sont à côté de nous. Essayons aujourd'hui, monsieur le président, essayons de trouver les causes et proposer les solutions. Même si on ne peut pas en finir tout aujourd'hui, mais essayons quand même de se dire la vérité. Et les leaders d'opposition ou d'opinion, je m'excuse, qui sont en train de nous diviser pour régner, essayons de les ramener sur une même table pour qu'on puisse parler le même langage, pour qu'on puisse évoluer sur la même longueur d'onde.
Donc, je ne vais pas me noyer, je ne vais pas rester là. Et je remercie tout et chacun. Merci. Qui vont nous donner des propositions contre notre Mali, comment venir dans ça? Madame Keta, je vous retiens, vous avez fait une suggestion. Avant de quitter, deux solutions pour que demain, Madame Keta et Madame Gallo disent, nous avons pris le drapeau à main pour que nous soyons là. Si vous en avez, on peut vous donner le temps. Mais s'il y a des intéressés aussi qui voudraient parler, n'hésitez pas. Deux mots, ça nous suffit largement. Je vous remercie. Merci. Nous attendons toujours ce que Dieu parle et bien là-bas. Oui. Ils ne sont pas pluriprimés.
fait marche à l'étranger. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. S'ils veulent convenir avec nous, écoutez, c'est très simple. Soyons unis. Réunissez un peu dans la 1000 dollars, envoyez un billet pour faire un forage pour une population de la ville. Il faut faire ça. Voilà l'objectif des associations. Mais si une association doit être là, que des intrus viennent se servir de ça de la spirituelle, se servir de ça à quel besoin et pour qui? Dans l'intérêt de qui? Donc quand on se réunit, sincèrement, il faut aller tout droit pour l'objectif. Si on veut réussir. Sinon, on sortira d'ici zéro. Vous convoquerez une autre réunion, ça sera zéro. C'est comme ça qu'on va évoluer. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver toujours avec nous. On n'arrive pas à la solution. Je m'excuse beaucoup d'être un peu. Mais il le fallait. On a le pouvoir de se dire la vérité en face. C'est le seul gage qu'on a donné à donner la version de la Bible. Merci. L'association, elle est plus que ça pour nous la puissance. Il faut voir la nostalgie de la salle pour rendre compte qu'il y a un consensus social. À chaque fois que je regarde quelque part, je croise un peu de visage social. Si je regarde autre part, je croise un visage social. Ça veut dire que les détracteurs qui sont en train de diviser ne sont pas suivis. Parce que si cela était suivi, les gens ne seraient pas venus. Responsabilité. On est en train de se mobiliser parce qu'on donne trop de kilos à ces gens-là. Et si on se les ignore, parce que c'est la structure sociale qui est. C'est la structure sociale de l'association qui est ici. Est-ce qu'est-ce qu'on cherche de plus? Si ce n'est que remodeler, c'est-à-dire donner mieux de tonus à cette structure sociale. Et s'il ne veut pas venir, c'est son droit. Chacun de nous, c'est la salle, a son obédience politique. On appartient tous, on n'appartient pas à même, au même parti politique. Il y a des gens qui sont d'autres côtés, d'autres sont d'autres côtés. C'est comme ça la vie. On ne veut ou pas la vie, c'est une lutte contraire. Moi, je veux quelque chose, madame, il ne veut pas ça. Ainsi va la vie. Donc, moi, je pense qu'on a tendance à se rendre un peu confus en donnant trop d'importance. Parce que la résolution d'un conflit dépend souvent du temps qu'on ne veut pas. Quand le conflit vient, ça va se résoudre. Surtout que c'est un conflit. Ma voix est cassée par un truc que je ne peux pas dénoncer maintenant. I think I have to go in English. That'd be better. I will try to be longer. And I have one prayer I have to say. As other guys say here, the point today, we didn't tell the truth. If we want to get into pick up together and do something, we have to tell the truth. The problem is not in Philadelphia. The problem is not in America. The problem is our home in Guinea. If we want to solve our problem, the problem is in Guinea. It's not here. We as a brother, we as a Guinean, we have to come together and send a very strong message to our politicians in our countries. Tell them enough is enough. You will not tell me your father killed my father and we sit and eat together on the table and laugh together. You will never be happy. Talk to the truth. We are all brothers here. I have a fight. I am like Suma, he's the president of Basque. I don't have a problem with that, right? We're going to fight together. Bambala was the president of Guinea community. We don't have a problem with him. You as well as people. When this thing started with the Guinean politicians,
We have to come together. The problem is not in America. The problem is not in Philadelphia. The problem is our parent in Africa. It's our politician in Africa. If we want to solve the problem, bring the Guinea together. We have to meet together and send a strong, very strong message to our politicians. Enough is enough. And we will work together and tell them we need united on our countries. That's what we're looking for, because we're looking to go forward back to Africa. We don't want to be here forever. As Mr. Dole said, we have our children here today. Some are university, some are other things. But what's the problem? It's in Guinea. We keep asking, I keep the situation is in Philadelphia. We have problems. No. The problem is not here. Because yesterday, as Mr. Dubia said, in 20 to 25 years ago, the Guinean community was a brothers. If Dubia had a problem, Jalo had a problem at the same time. We all know that. In 10 years ago, even 6 years ago, when Barry had a problem, Bagula had the same problem. But why today the situation is our politicians. They are the ones who created all this thing here. We have to be better than that and better than that. Merci à tout le monde là. Vous savez, j'ai beaucoup écouté. Beaucoup a été dit ici. Tout ce qui a été dit, c'est de la réalité. C'est tout à fait vrai. Mais il faut qu'on essaye de dissocier nos problèmes. Nous sommes une communauté guinéenne qui vivons ici, à Philadelphia. Il y a certaines communautés guinéennes qui vivent dans différents états ici. Nous sommes tous conscients qu'il y a eu des abus à venir. Il y a eu des violations de droits de l'homme. Ces violations de continuent. Tout le monde a été victime aussi dans cette salle, de près ou de loin. Qu'on soit peu ou mal équipé ou sous. Si on tue quelqu'un à l'abbé, c'est un Guinéen. On tue quelqu'un à Sibylle, c'est un Guinéen. Si on tue quelqu'un à Guinée forestière, c'est un Guinéen. Il y a eu des victimes. Il y a eu des abus. Et c'est ce qui s'est transformé en mémoire psychologique dans la pensée des gens. Et quand vous avez ça dans votre tête, et que l'impunité continue, quand il n'y a pas justice, vous pourrez prier sur votre identité ethnique. Mais il faut qu'on réussisse à aller au-delà de cela. Nous sommes appelés à vivre ensemble, qu'on ne veut pas nous faire. Ici, les problèmes ont commencé quand réellement en 2009. En 2009, au moment des élections. De la vérité, c'est en 2009 que nous avons connu le problème réellement ici aux États-Unis. C'est tout à fait vrai quand on nous dit que c'est à travers la politique que les problèmes sont venus. Mais c'est aussi vrai que quand on dit que le problème c'est en Guinée, c'est pas ici. D'accord, le problème c'est en Guinée. Mais nous ici, nous essayons de vivre ces problèmes et ce qui n'est pas normal. Si quelqu'un pousse en Guinée, nous essayons de trancher à sa place ici, vous avez dit. Et c'est ça notre problème. Il faut que dans un premier temps, qu'on essaye de comprendre que nous, on ne peut pas résoudre les problèmes de la Guinée, si on ne résout pas nos problèmes ici en Guinée. On ne peut pas résoudre les problèmes des Guinéens aux États-Unis si nous, dans nos différents États, nous ne pouvons pas résoudre les problèmes. Il faut que nous, ici, qu'on comprenne. Si moi, mon père, ou ma mère, ou ma soeur, ou mon frère, a fait quelque chose, c'est pas moi qui l'ai fait. Si vous, monsieur Kamara, ou monsieur Keita, ou monsieur Bani, avez commis quelque chose, ben, ce n'est pas votre frère qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Il faut qu'on juge les gens par leur personnalité, qu'on juge la personne. On ne juge pas à travers ton frère, à toutes les raisons que
problème. Il faut qu'on aille de l'avant. Nous vivons ici en communauté. Qu'on se le dise. Quand il y a un problème ici, c'est nous qui nous réunissons. Nous recevons nos problèmes. Si quelqu'un a un malheur ici, il a un malheur, c'est pas un Américain qui va venir nous sortir de son malheur. C'est pas un Américain qui va venir parler sa joie. C'est nous qui allons le faire. Et c'est une réalité que cette joie de vivre qu'on avait ici, là, n'existe plus. Parce que les gens, chacun s'est réfugié sur sa propre identité, sur sa famille, sur sa préfecture. C'est tout à fait normal, c'est une très bonne chose qu'on se réfugie sur sa préfecture, sur sa famille. C'est normal qu'on ait des associations préfectorales, qu'on ait des associations communautaires. Mais ces associations doivent avoir un rôle. Le développement de notre communauté, c'est normal. C'est normal qu'on se réunisse, qu'on collecte des fonds, qu'on participe au développement de notre communauté parce qu'on est sorti et si on a quelques petits moyens, qu'on ait ceux qui sont derrière, c'est tout à fait normal. Mais cela ne nous empêche pas de vivre tous ensemble. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous guinéens, nous vivrons ensemble, qu'on le veuille ou pas. Cela ne changera jamais. Si nous avons entendu beaucoup de choses, c'est la vérité. Je suis très content que vous soyez venus parce qu'il était temps. La communauté courait à grands pas. Mais votre présence, je pense, me signale la récidivisation de cette communauté. La structure est déjà sur place. Tout simplement, ce qu'il faut, il faut la solidifier. Et pour cela, nous avons besoin de vous tous. La Guinée appartient à nous tous. Moi, je suis là il y a au moins 40 ans. Mais je suis encore guinéen. J'ai fait deux voyages à Conakry. Je me prépare encore à repartir. Vous, vous êtes là. Je fais partie des deux communautés de la Guinée et d'ici parmi vous. Si quelque chose m'a dit ici aujourd'hui, c'est vous. Ce n'est pas ma famille, c'est vous. Et je suis sûr et certain, lorsque vous rentrez en Guinée, il est sage de travailler avec vous parce que nous avons les mêmes aspirations. Parce que nous avons peut-être les mêmes expériences. Je suis sûr et certain que vous avez dû envoyer quelque chose à mon avis pour faire quelque chose pour vous. Et ça a été détourné. Bon, donc pour être dit, je ne vais pas revenir en arrière, puisque nous parlons de solidifier notre organisation. Un des piliers de ça, c'est de vous inviter à passer à la maison de la Guinée. Ça a été posé avant, mais. J'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup écouté, mais nous ne pouvons pas dissocier les paroles de la Guinée aux paroles que nous avons ici. Tout est là-bas. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas dire que nous avons une organisation sociale ici, qu'on va dissocier ça, ce qui se passe en Guinée. Il y a beaucoup de frères qui ne sont pas présentés ici. Vous demandez pourquoi les gens ne sont pas là. Les gens ne sont pas contents de ce qu'ils voient, ce qui se passe en Guinée. Il y a une communauté qui est visée en Guinée, qui est victime. Le pouvoir qui est en place est en train de faire ce qu'il veut. Et nous avons bien des frères ici, aux États-Unis, qui sont vivent dans un pays où les droits des citoyens sont respectés. Dès que quelque chose passe en Guinée, nous, on commence à dénoncer. Ça ne va pas aider les Guinéens à se rassembler. Nous ne disons pas vrai. Il faut qu'ils disent la vérité. Tant que en Guinée, il y a l'insécurité, il y a l'injustice, il y a la discrimination, nous, Guinéens, qui sommes à l'étranger, nous sommes directement impactés. Vous comprenez? Si vous parlez de vos familles en Guinée, à Conakry, qui est agressé par des forces de l'ordre sous ordre du président lui-même. Vous ne pouvez pas être condamné avec les autres Guinéens.
C'est là la division, commence. On a assassiné Madame Poirot. Mais on a vu ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui. Ils vont dans les quartiers de Bambeto, Ratoma, 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 pour aller arrêter des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Parce qu'ils sont dans une formation politique. Ouais. Même le père de Jacques-Léa Gallo a été arrêté. Qu'est-ce que ce peut avoir à voir avec le grand-père qui s'en vient? Dites-moi si pas les familles de ces gens là sont qui vivent aux États-Unis aussi. Voir cette injustice là continuer tous les jours. Est-ce que ça peut les encourager à venir s'associer aux autres Guinéens? Dites-moi la vérité. Ça ne se fera pas. Il faut que le SEND, il faut que l'envoie un message très fort au gouvernement guinéen pour dire d'arrêter l'injustice, de punir les gens qui sont coupables de ces crimes-là et de ramener tous les Guinéens au même pied d'égalité. Tant que cela ne se fera pas en Guinée, oubliez l'union de tous les Guinéens. Ça, je vous le dis, je vous le garde, je connais ce que les gens font. Le gouvernement aujourd'hui ne vous faut pas la parole. Aujourd'hui, avec cette division qui existe en Guinée, votre travail est rendu beaucoup plus difficile. Ça sera très difficile pour vous. Je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais c'est vrai. Aujourd'hui, une communauté en Guinée est visée, et ça se fait partout en Guinée. La vérité. Moi, je vais vous dire quelque chose.
La vérité n'appartient pas à l'être humain. La vérité n'est pas pour l'être humain. Nous sommes des êtres humains, on est toujours dans des erreurs. On est toujours des fainéants, on peut dire ça. On sait ce qu'on veut dire, on sait la vérité, mais on va tout de la table sans prétendre ce qui est, où est le problème fondamental. Ce qui nous a réunis ici aujourd'hui, c'est pour faire avancer le bureau de l'association de la Pâque. Moi, je suis dans l'association. J'étais vraiment ponctuel avec le président. Quand il convoque, je viens, je mets l'idée, il est là, mais depuis qu'il a pris la décision de faire cette assemblée, aujourd'hui, vous serez rencontrés. On est 14 dans le bureau. Regardez ceux qui sont là aujourd'hui. On est 14 dans le bureau, c'est pour qui avez voté pour nous. Pourquoi vous ne pouvez pas nous aider à avoir des leaders, des gens qui sont capables de comprendre entre eux, des gens qui font composer et trouver des solutions pour que normalement on a des problèmes. On a des problèmes. Moi, je soumettrai au doyen et de voir certaines personnalités dans l'association les mettre dans les portails comme ça, on va essayer de trouver des solutions pour l'association. Parce que je pense que ici à Philadelphie, les Guinéens, on est nombreux ici. Donc voilà. Et nous savons que notre association, le pilier de notre association, ce sont les femmes. Je souhaiterais que vous nous donniez, vous échangez vos numéros de téléphone, vous gardez les contacts. Et je sais qu'à partir de maintenant, il y a certains qui vont vous appeler pour vous demander comment est-ce que ça s'est passé hier. Dites-leur que ça s'est passé bel et bien, le tout était à merveille. Et vous les femmes, je vous encourage, comme d'habitude, je vous encourage comme d'habitude, doublez d'ardeur pour que la communauté aille en avant. Vous savez, quand vous êtes en avant dans l'association, on vous suit obligatoire. Et ça marche. Mais maintenant, c'est parce que vous les femmes, vous êtes dissociés, c'est pourquoi on a des difficultés de mobiliser la communauté. Et aussi, sur un peu sur ce que cela est compris et entendu pour tout un chacun d'eux. Et nous allons clôturer maintenant, avec votre permission, je remercie tous ceux qui sont venus ici ce soir et je souhaite que le message est bien entendu et je pense que nous allons en tenir compte. Et la science, elle est... Donc, comme vous l'avez suivi, c'est pratiquement terminé. On était donc à Philadelphia. Le rendez-vous a été bien. Un rendez-vous de vérité, un rendez-vous de donner et de recevoir. Encore une fois, merci d'avoir choisi le plateau d'Aminata.com. Merci, Chocot.